Salut tout le monde, bienvenue au Hoblog. Là, cette semaine, j'ai envie de vous faire découvrir une nouvelle tendance sur YouTube. Les challenges des YouTubers. Vous allez voir, c'est quelque chose de vrai. Oh, vous savez pas c'est quoi des YouTubers? Des YouTubers, dans le fond, c'est les personnes qui gagnent leur vie en publiant des vidéos pas toujours très pertinentes sur leur chaîne YouTube. Les plus populaires présentement, le Suédois PewDiePie avec plus de 40 millions d'abonnés. Les Français Cyprien et Normand. Les mecs musclés, ils mettent pas les mêmes genres de t-shirts que nous. Tu vois, eux, ils mettent des t-shirts faits pour qu'on voit le plus possible leur musculature. Le mec, même son téton est moulé. Allô, Cyprien? Alors, tu fais caca? À chaque semaine, il y a des YouTubers qui font des défis... pas très, très intelligents, mettons. Je me suis dit, pourquoi pas essayer quelques défis et quoi de mieux que d'essayer des choses avec quelqu'un d'autre? Alors j'ai demandé à la charmante comédienne Maxime Roy de bien vouloir se prêter au jeu avec moi. Maxime, t'apparais dans 3, 2, 1... Hey! Là, tu sais pas dans quoi tu t'embarques encore. Pas vraiment. Non, c'est ça. Mais je te fais confiance. T'es une fille qui aime les défis quand même, toi. Oui, oui, oui. J'aime ça. Pour le premier défi, j'ai des guimauves ici et c'est le défi le Chubby Bunny. Le Chubby Bunny, c'est qu'à tour de rôle, on va devoir se mettre une guimauve dans la bouche et dire le mot Chubby Bunny. Et c'est la personne qui a le plus de guimauves dans la bouche qui gagne le défi. OK. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Maxime, es-tu une fille qui pleure beaucoup dans la vie? Oui. Ah oui? On va se peinturer deux lignes de crayon en dessous des yeux et c'est le premier qui va être capable de verser une larme qui va gagner le défi. Oh non! Regarde! C'est parti dans 3, 2, 1, go! Pour m'aider, on va mettre de la musique un peu triste, là. Tu sais, quelque chose de... OK. Homme. Il est tellement con! Moi, il faut que je me mette dans le personnage. Tu sais, il faut que je fasse des... Ah! Elle l'a eu! Une vraie professionnelle, tout le monde. Hein? On quand est pas... même, j'étais en nomination Gémeaux, tu sais. Je veux dire, faut être capable de pleurer. Bon, es-tu prête pour le prochain défi? Ouais. OK. On se remplit la bouche d'eau, on va se regarder face à face, on regarde des vidéos drôles, puis le but, c'est d'essayer de ne pas rire. OK. J'ai préparé un poncho homemade, okay. Tu sais, pour protéger nos vêtements quand même. Then we started talking, and, well, here we are. Now we're fucking. We're just really deep in there, and that's what I realized at that moment that. Là! Là, dernier défi, mais non le moindre. J'ai entendu dire que t'avais la dent sucrée, Maxime. Oui. Alors là, moi, je t'ai préparé deux tartes au chocolat ici. En fait, c'est plus du pudding. Pudding au chocolat. Ouais, c'est ça. Dans chaque assiette, il y a 10 gummy bears. On va avoir 30 secondes pour aller chercher les gummy bears avec notre bouche et d'en avoir le plus possible dans notre assiette vide à côté. OK, dans 3, 2, 1, c'est parti! Je pense qu'on a assez fait de niaiseries pour cette semaine. Maxime, merci de... Mais vous autres à la maison, rappelez-vous toujours que ce qui peut être viral ailleurs pourra toujours l'être plus ou... ici. On est comme deux chats, là.